Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve pour le classement du Shonen Jump numéro 3 et 4 de l'année 2021. Dernier Shonen Jump qui sera publié en 2020. On retrouvera le Shonen Jump la semaine du 4 janvier. Les prochains mangas sortis sur les sites de Shonen Jump et Manga Plus seront le 3 janvier. Donc les leaks pourraient sortir un petit peu avant. One Piece, 1000! Bon. Mais sans plus tarder, après que tu te sois abonné, que tu aies commenté, que tu m'aies dit est-ce que t'as hâte au chapitre 1000 de One Piece ou est-ce que ça va être un gros coup au moral tellement que ça va être mauvais comme chapitre 1000? J'attends juste de le savoir. Like aussi la vidéo. Donc, dans la partie hors classement cette semaine, on retrouve bien entendu One Piece qui a le group cover. Que je ne commencerai pas à vous énumérer exactement qui a fait quel personnage parmi les autres mangaka du magazine, parce que ça commence à être beaucoup. Et la couverture, bien sûr, sera jointe avec celle de la semaine prochaine, comme le leak l'a laissé présager ici! Oh yeah! Et sinon, la page couleur centrale revient aussi avec cette belle affiche qui sera aussi complète dans le prochain Shonen Jump. Sinon, les autres pages couleurs reviennent au dernier chapitre de We Never Learn. C'est enfin fini. We Never Learn rejoint Chainsaw Man. Sans le rejoindre, étant donné que We Never Learn est juste fini. Les autres pages couleurs reviennent aussi à Marshall, à Engan No Cyclops, le nouveau one-shot de l'ancienne dessinatrice de Actage. Et bien sûr, au spécial de Koji Kame, qui revient faire un petit coucou. Écoutez, il y a quand même 2000 chapitres de fait, puis il revient quand même dire des coucous. Bravo à l'auteur. Dans la zone des nouveautés, on retrouve encore Bill King pour au moins 2 autres semaines, et Sakamoto Days, ben 2 autres semaines, quand on sait que c'est pas publié tout le temps aux semaines présentement, mais bon, pas grave, 2 autres exemplaires, et Sakamoto Days dans 3. La seule absence cette semaine reste notre ami, HSX. Et sinon, passons à la fameuse zone rouge. Cette zone rouge. Cette semaine reprend sa fin de podium. C'est à Gravity Boys, qui tombe aussi bas que ça, qui est devancé par Our Blood Oath. Puis, est-ce que je vous surprends vraiment en disant que le dernier du trio infernal, c'est Phantom Seer cette semaine? Non, je ne vous surprends pas. Ah, me semblait aussi. Sinon, en 12e, échappe encore une fois à la zone rouge, c'est bien entendu Mori King, qui est lui aussi devancé de peu par Hardboiled Cop and Dolphin. Et bien sûr, ben, High School Family est juste en avant d'eux autres. T'sais, c'est comme exactement le même top à peu près que la semaine passée, là, mais avec un manga de moins. En 9e, ben, c'est Ayakashi Triangle, qui reste devant eux autres. En 8e, ben, c'est Undead Unluck qui est juste là. Hein? On le voit là, c'est vraiment juste les mêmes positions, mais avec une position de plus. Là. Vous le voyez plus tantôt, plus un, à peu près. En 7e position, c'est bien sûr Mission Yusakura Family. En 6e position, on retrouve Me and Roboco. La plus belle remontée de la semaine revient à la 5e position, Magu-chan, God of Destruction. Donc, le manga continue quand même de gagner des positions. Peu intéressant, sauf s'il retombe dans le top 3 tout finalement. En 4e, échappe au podium encore cette semaine, c'est Black Clover. En fait, échappe au podium encore cette semaine. Après sa médaille d'argent, il perd 2 places. Sinon, revient sur le podium en médaille de bronze, c'est bien sûr My Hero Academia. La médaille d'argent est reprise par Jujutsu Kaisen qui revient après son petit chapitre de 5 pages comiques la semaine passée. Et bien sûr, ben, en première position après sa page couleur, c'est Dr. Stone qui fait Yo-Oh, je suis revenu! Maintenant, pour les informations concernant le Shonen Jump numéro 5-6, qui sortira, comme je l'ai dit, plus tôt le 4 janvier au Japon. On retrouvera en couverture encore une fois et en group cover One Piece. Voici le leak. Sinon, les autres pages couleurs reviendront à Black Clover. À un autre chapitre spécial qui s'appelle We Were Born, The Promised Neverland. Parce qu'on a encore besoin de The Promised Neverland. More!
Sinon, il y aura aussi un autre one-shot sur Shokugeki no Sanji de 39 pages. J'espère que ça va être dans la même ambiance que l'ancien Shokugeki no Sanji. Si c'est le même chapitre, je vais être déçu. Mais c'est un chapitre normalement de Sanji dessiné par le dessinateur de Shokugeki no Soma. Donc, reste à voir si ça va être intéressant. Donc, c'est les informations qu'on a pour le Jump cette semaine. Sinon, on peut toujours se dire que l'anime de My Hero Academia revient le 27 mars, que Chainsaw Man a son anime, que Platinum End va avoir un anime, le manga par les auteurs de Death Note, et que c'est pas mal ça, hein? Donc, c'était Manga de Fan qui vous dit, on se retrouve la semaine prochaine pour un... pas la semaine prochaine, là. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Shonen Jump. Bye!